sors ma petite poudre à tout instant. Tu n'as pas le droit. Et voilà. Alors moi je m'appelle Emmanuelle Houdard, je suis auteure illustratrice de livres pour la jeunesse. Ce sont des albums en fait, mais j'aime bien penser que ce sont des livres pour la jeunesse, mais aussi pour tout le monde, pour les adultes, pour tous. Qui est un livre ressource, que j'ai voulu comme un livre ressource, un livre où chacun peut trouver à se blottir, à se consoler, à être protégé, à trouver de la bienveillance. Moi, je rencontre beaucoup d'enfants dans les classes, je rencontre aussi des adultes sous forme de workshops, d'ateliers. Je fais pas mal d'expositions dans les médiathèques, dans des galeries. C'est une autre façon de rencontrer les gens. Dans le livre, on rencontre les gens secrètement en quelque sorte. On sait qu'ils vont le recevoir, on sait qu'ils vont le lire, on sait, mais on les rencontre pas forcément, tous ces lecteurs. J'ai fait les Beaux-Arts, sans aucune prétention, je considère les livres que je fais comme un chemin artistique en tout cas. C'est comme un tout, comme quelque chose, une quête, une chose profonde, quoi. Et qui a du sens pour moi, voilà. Je dessine d'abord tout au crayon. J'ai d'abord une idée d'un projet, un livre, de quoi il va parler, qu'est-ce que ça va être comme thème et tout ça. Et après, j'écris. Ça, c'est la structure sur laquelle tu peux dessiner. Sinon, tu peux aussi aller partout et ça devient un foutoir total. C'est pas tellement compliqué, hein. Faut juste bien regarder et puis ça va faire ça comme ça. D'accord ? Dans le sens de la longueur. Ok, merci. Donc on laisse une tête fermée, et alors là je vais reprendre un top modèle, je vais prendre ce jeune homme qui va très bien comme top modèle. Non, tout est bien. Et ça, c'est ça. Ensuite on va dessiner le tronc, je le garde. Voilà. Ensuite on fait l'emmanchure, comme ça, je trouve. Oui, je vais passer 4 jours, je vais faire des ateliers, des rencontres. Ça va être super.